Alors, coucou Facebook et ses amis. Donc, cette vidéo, c'est une vidéo spéciale Facebook et ses dirigeants. Voilà. Donc, je voulais vous dire merci de m'avoir bloqué. Ce qui serait sympa, c'est de me dire pourquoi vous m'avez bloqué. Parce que je suis bloquée jusqu'au 11, ça, je m'en fiche un peu. Mais alors, la raison, je la connais pas. Et vu que je connais pas l'anglais et qu'ils mettent tout en anglais, je ne sais pas pourquoi je suis bloquée. Peut-être est-ce parce que j'ai trop partagé de vidéos. Mais bon, en même temps, c'est mes vidéos, donc j'ai un petit peu le droit de faire ce que je veux. Donc la politique du ferme ta gueule sur Facebook, il y en a un petit peu ras la casquette, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Parce que il faudrait qu'on poste que des mièvreries sur Facebook, c'est ça? Des trucs qui n'ont aucune importance et qui n'interpellent personne. Ah, c'est gentil, c'est plein d'amour, c'est plein de bon sens et tout. Et j'adore ces petits posts, ah oui, qui me plaisent beaucoup. Mais enfin, de temps en temps, il faut un petit peu évoluer. Vous voyez, Facebook, c'est le but des réseaux sociaux, hein, c'est de partager des informations au cas où tu ne le saurais pas. Hein, partager des informations. D'autant plus, je sais que on est tous espionnés via Facebook et d'autres sites internet. Donc, je vois pas du tout pourquoi tu m'as bloqué. Je ne vois pas. C'est vraiment quelque chose. Je sais pas. Je sais pas. Je vais avoir une tête qui te plaît pas. Peut-être. Je sais pas. Je sais pas. Mais bon, je poste mes vidéos. Je fais des vidéos. Donc, le but de faire des vidéos, c'est de les poster, hein, et de les partager, hein, avec les gens que ça intéresse. Je ne vois pas où je fais du mal, où est-ce que je dis des grossièretés, et ce que je peux. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bref, toujours est-il que on a le droit de dire ce qu'on veut, comme on veut, à condition qu'on ne outrepasse pas, voilà, c'est ça, outrepasse pas les lois facebookiennes. Mais alors, où elles s'arrêtent et où elles commencent? C'est ça que j'aimerais savoir. Parce que rien que en partageant sur Messenger des bonjours, on se fait bloquer. Ouais, alors dites-moi ce qu'il y a de mal à dire bonjour à ses contacts. J'aimerais que Facebook me réponde quand même, parce que c'est quand même important. Hein? Dire bonjour à ses contacts partagés sur Messenger et on est bloqué. Ça, c'est le premier truc. Après, on partage ses vidéos sur la page. On les partage dans des groupes, on les partage avec des contacts qui pourraient être intéressés. Et là, je claque, on se fait bloquer. Mais j'ai fait quoi de mal, en fait, en faisant ça? Hein, j'aimerais bien que tu me répondes, Facebook. J'aimerais. Parce qu'il y en a marre. Franchement, il y en a marre. Alors, bah écoute, si tu veux pas que les gens se révoltent et qu'ils mettent Facebook de côté complètement parce qu'ils n'ont plus le droit de faire ce qu'ils veulent sur Facebook ou de dire ce qu'ils veulent tout en respectant l'autre, bah continue comme ça parce que je pense que tu vas y arriver. Hein, et que Facebook va se casser la gueule en bourse. Déjà qu'il est bien descendu, je pense qu'il va pas remonter. Alors continue comme ça, Facebook, c'est très bien. Normalement, t'es vraiment bien parti. D'autant plus que, tu le sais déjà, mais je t'informe que des plateformes comme la tienne, il y en a beaucoup. Tiens, il y en a une russe là qui me plaît beaucoup d'ailleurs. Peut-être que je vais aller voir en Russie ce qui se passe, hein, sur les plateformes, peut-être. Peut-être qu'ils ne me bloqueront pas parce que je vais dire un truc ou un machin. Ou on a ailleurs d'ailleurs des plateformes aussi, donc je sais pas. Hein, et qui sont plus indulgents. Hein, pour, hein, parce que oh, franchement, je vois pas en quoi. Ah, c'est peut-être parce que je te dis pas bonjour à toi, Facebook, je sais pas. Hein, Zuckerberg, peut-être que je te dis pas bonjour, alors c'est pour ça que tu m'en veux, toi et puis tes collègues. Hein, je te dis pas bonjour. Alors voilà, maintenant cette vidéo, elle t'est adressée à toi et à tes collègues. Bonjour, hein? Bonjour Zuckerberg. J'espère que tu vas bien, hein? Et que tes compagnons aussi, et que
toute cette racaille que tu as autour de toi se porte bien aussi, parce que pour faire autant chier le monde, je pense que vous n'avez pas grand-chose d'autre à faire, hein? C'est, je sais pas, mais quelque part, à un moment, faut s'interroger, hein? Pourquoi Facebook fait chier les gens qui ne font rien de mal et qui laissent des sites comme des sites terroristes, des sites pédophiles, etc., voir le jour, alors que me dites pas que vous n'êtes pas au courant, c'est pas vrai, parce que j'ai fait des infos. Ben oui, j'ai fait des recherches qui prouvent que vous êtes au courant de tout ce qui se passe, mais de tout ce qui se passe dans le monde, et que vous savez des choses qui ne sont pas encore arrivées, mais que vous les connaissez déjà. Alors, le genre, mais on ne savait pas, c'est faux. C'est faux. Parce que tu sais quoi, Facebook? Tout est écrit sur Internet. Ouais. Il suffit que les gens soient un peu curieux et qu'ils aillent voir sur Internet. Alors ça sert à rien de nous bloquer, ça sert à rien parce que de toute façon la vérité on la connaît, on la sait. Hein? Alors je vois pas en quoi le fait de partager des bonjours peut déranger en quoi que ce soit ton truc. Tu vois, je sais pas. Et on n'est pas du même monde, hein, mon cher Zuckerberg, on n'est pas du même monde. Donc voilà, juste pour te dire ça, parce que j'en ai un petit peu ras-le-bol, quoi. Hein? Tu vis grâce à nous? Ben oui, parce que tu vis grâce à nous quand même. C'est parce que nous, on est assez cons pour venir sur ta plateforme, pour venir poster des choses, pour ouvrir des comptes, hein, et que après, ben, on se fait bloquer. Mais si on n'était pas là, nous, tu vivrais de quoi, sérieux? Enfin, toi, non, parce que toi, t'es trop bête, hein, tu vivrais, de toute façon, t'es payé pour être le pantin, mais je sais pas, il faudrait peut-être un petit peu se poser des questions, tu vois, hein? Moi, je te dis ce que je pense. Je suis claire, nette et précise dans ce que je dis. Hein? Donc, à un moment donné, il faut peut-être arrêter. À un moment donné, il faut peut-être dire stop. Hein? N'est-ce pas? Bien sûr. On est. Tu sais très bien où sont les terroristes. Tu sais très bien où sont les complotistes. Tu sais très bien où est tout le monde. Hein? Vous savez. Alors pourquoi nous emmerder? Emmerder ceux qui sont là pour dire la vérité que tout le monde sait et que personne ne veut voir, alors que toi-même tu es au courant, hein? Mais si toi-même tu es au courant et que les autres sont au courant, pourquoi pas la dire au final? Alors pourquoi me bloquer pour des bonjours? Ça, j'aimerais bien savoir. Peut-être que j'aurai une réponse, peut-être pas. En tout cas, j'ai dit ce que je pensais. Voilà. Eh bien, écoute, hein? Donc, vu que je suis libérée le 11. Je sors de ma cage, je suis libérée de prison le 11. Donc, bah écoute, le 11, bah, tu me retrouveras. Et puis, s'il faut que tu me rebloques, eh bah, tu me rebloqueras. Mais essaie quand même de me dire pourquoi, ok? Parce que moi, je sais pas. Bah non. Déjà là, pour le coup, je sais pas. Je comprends pas. Il n'y a même pas de théorie du complot, hein, c'est la théorie du bonjour. Franchement, je sais pas. Faudra voir. Faudra voir. Voilà. Sur ce, bah écoute, bonne journée à vous, hein, et bloquez, 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 bloquez les gens honnêtes, continuez à bloquer les gens honnêtes, les gens qui ne font rien de mal, et puis laissez les pédophiles et les terroristes, parce qu'en fait, c'est votre gagne-pain, hein. Voilà. Et bah écoutez, ben, je peux être aussi con que les cons, hein, il n'y a pas de souci, je peux. Allez, bye bye, au 11, hein, à bientôt. Bye.